Yo, bienvenidos dans la Manifamilie avec Benito Blanco de la Vega de l'Action, la chaîne de la Galaxie, de l'Espacio, de l'Infinito, del Frikaiju. Elle est là. Bon, avant de commencer cet épisode, je vais juste checker très très rapidement les réponses sur les fanarts que j'ai envoyés sur le LOLternet. Les réponses qui font plaisir, enfin, depuis que j'envoie des choses à Bob Lennon et à Fantasio 974, j'ai enfin des réponses. L'heureusité se fait ressentir dans le Benito quelque part. L'heureusité, la contentitude. Je suis content. Et du coup, pour fêter cela, je vais vous faire l'épisode 3 de Duke Nukem, Out in DC. Bon, la dernière fois, on s'était retrouvé dans une allée des plus étranges, des plus symptomatiques, que voici. Viens ici, clavier. Nous allons, d'ores et déjà à présent, jouer. Fuck de poubelle. Oh, une grenade dans la poubelle et une armure. L'étrangeté. Alors, qu'ai-je donc comme arme? Ah oui, c'est vrai, j'ai le double lance-roquette de ouf et moult grenades. Très intéressant, nous allons s'armer du fusil de peupon. Et allons-y! Ok! Ça commence! Niqué! Brasse! Allez, frère! Dans vos bouches de queue-porc, il y en a encore un! Nique ta mère Sion, la race! Raté, il me tire dessus, fils de pute! Ouh, mais la baraque était... Ouais, en gros, ils n'ont pas réussi à pousser la caisse. Et en gros, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour sortir, c'est à faire péter le mur, quoi. Bravo, bravo. Et il y a des munitions cachées dans l'ombre. Ce jeu est assez gourmand en passage secret, du coup, maintenant... Ouh, le soin de la pleasure. Je casse les choses, voir s'il n'y a pas des choses qui sont cachées. Double chemin. Nique ta immersion. Ouh, là, elle est sympa, la musique. Pas de pitié pour les hommes porcs. Ouh, il y a trop d'hommes porcs là. Niqué. Ta immersion. Ah, raté, dans le mur. Ouh, ils ont tout explosé. Par contre, j'ai plus de... Ah, mais ils sont combien ces connards? Yo. Plus d'hommes porcs de l'espace. Oh, il était caché, le sale go. Ah bon, là, il va falloir faire péter. Un oiseau volant étrange, dissidence. Ça ressemble étrangement au premier niveau de Duke Nukem. Et la grenade dans le feu. Je m'en doutais, parce que dans le premier niveau de Duke Nukem original, vous avez, il me semble, des soins. Ya tu croyais que je n'étais pas au courant. La chambre secrète, bien évidemment. Medikit, mais j'en ai déjà un, Zordor, déjà. Oula, il y a plein de choses là-dedans. On voit le dedans. Est-ce qu'il me voit? Bah, je peux leur tirer dessus. Mourez! Oh. C'était... Oh! Ruby! C'est quoi ces façades? J'ai l'impression de les avoir déjà vues, ces gens. Personnalité politique obscure, dont j'ignore l'existence. J'ai fait un trou! Bonjour! Va mourir! Bah, j'ai beaucoup trop de munitions de... Ah! Cassos! Je m'en vais! Au revoir! Ah, je peux rentrer par là aussi. Ah, mais je peux rentrer par moult façons, con! Mais là, je vais rentrer de la manière la plus classe possible! Knock knock! Zizis Benito Blanco! J'arrive! Enchanté! Je cours! Ramasse le munition! Me déplace dans tous les sens à la vitesse. Ça siffle, qu'est-ce qui siffle comme ça? Munition. Oula! Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah! Ah! Je cherche l'inventaire. Où est l'inventaire? Oh, t'as une vue à la troisième personne! On apprend des choses. Ah, voilà! Je me suis soigné. Jean. Ah, mais il est là-haut, le salaud. Très bien, merci la caméra. Je ne t'avais pas vu, mon gros salaud. Sadigo, il a réussi à me toucher de là-haut, l'enculé. Oula. Calmez-vous. Oh, les salauds, ils sont pleins. Ah, l'armée de hommes ours porc. L'armée de gros porcs.
L'armée des hommes porcs. Il en reste un. Où es-tu, salaud? Tu es là-bas. Tu pensais que je n'allais point te voir? Par contre, j'ai v'là envoyé les munitions dans leur gueule. Groovy. Serait-ce par hasard des munitions? Pas un putain de bouton pour ouvrir la chose, là? Je veux rentrer dedans. Le jackpack, y'a pas de jackpack, putain? Non. Est-ce que là-bas, y'a des choses? Les fameux... conduits d'aération de l'enfer? Ah, non, là, c'est les hauteurs. Ouh, là, je monte. Salaud! Ben... va crever, ce... Ah! Saloperie. Merde. Saloperie de partout dans ce putain de monde de merde. Merde, j'arrive pas à le toucher. Il est où? Ah! Putain, il a des grandes dents, là, sale bait. Bon, je vais laisser venir parce qu'ils sont galères à toucher. Voilà. Oh, mais il y a une carte là-dedans. Ça me pique. Ah! Putain, il me grimpe dessus, le salaud. Voilà! Ça va me laisser faire par ces merdes. Tous. Aïe! Casse-toi à coups de pied, putain. Ouh, ça doit faire mal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, pour l'instant, je me balade, parce que là, il y a tellement de possibilités de chemin. Là, ah bah, en fait, il y a plein de conduits que j'ai oubliés, en fait. Benoît, c'est pas bien, tous ces oublis. Un homme porc. Des bruits étranges. Allons tuer l'homme porc. Ah, mais c'est les souris qui font des bruits étranges. Bonjour. Mes sincères condoléances pour toute votre famille que j'ai décimée. Ouah! T'as les munitions dans les poubelles, quoi. Ça se demandait qu'est-ce que jettent les gens. Ah merde! Ah, des hommes porcs que j'ai trucidés. Pas eu le temps de tirer une balle, le salaud. Ah mais c'est immense ici. Ah là j'en viens de là. Donc là je n'étais pas encore allé. Salaud. Récupérer la vie qui m'a enlevé. Voilà. Wouah. Moult personnes. Oh, you can beat your motherfucking ass with this big machine gun. Donc là c'est bon. Il y a encore des choses à récupérer. Il y a plein de medikits. Ils sont assez généreux sur les soins, j'ai l'impression. Ouais, je profite, sans les mains et tout. Mission du bon qui fait plaisir. Le casse-tout, je suis un délinquant, moi. Donc là, c'est le bleu. Et il faut que je trouve la bleue, évidemment. Alors que j'ai que la jaune, bien entendu. Bien entendu, Benito Blanco va se faire emmerder par le jeu vidéo, encore une fois. C'est ça, j'ai bien compris, hein. Là, je suis pas allé, mais je sais pas comment y aller dans cette merde. Ah bah voilà, voilà l'accès jaune. Bonjour, bonjour. Oh, et à partir de là, j'accède aux autres, très bien. Très intéressant ces conduits d'aération. Ah, il y a du monde, il y a du monstro, ça fait plaisir la famille toi-même, tu sais. Oh, il est derrière. Salaud. Ah, ils sont pleins. Voilà. Salaud. Fait sombre ici. Oh les salauds, ils m'ont fait peur! Mourez, bande de chiens galeux! Ils m'ont fait sursauter! Ouh, plaisir! Ils sont très généreux sur les munitions. Ils étaient cachés dans le mur, quoi. Ils attendaient précisément le moment où j'allais arriver, quoi. Putain, c'est l'épisode du sursaut, quoi! Putain, foutez-moi la paix, quoi! Les enfoirés. Du coup là, hop, voilà. Du coup, ça fait du sens que je ne pouvais pas l'ouvrir. Merde. Voilà. C'est quoi cette grosse boule là qui a l'air complètement méchante? Bon, lui, l'alien à face de raptor avec un anneau de taureau dans le gueule, on s'en bat les couilles. C'est une menace complètement superficielle. Ah, le plaisir, le plaisir. Du coup, maintenant, je sais où aller. Ce qui est techniquement agréable à savoir, mon garçon. Lui, on va lui faire sa fête. Toi, tu m'as vu.
Esquive mural, ammo faux shrinker. Parce que le shrinker, je l'ai pas encore trouvé, frère. Un exabersion! Prends ta grenade, fils de pute! Évidemment, il y a encore plein de fils de yag là-dedans. Carte bleue inside, ok. Évidemment, il y a des enculés de partout dans cette putain de salle. Des salauds dans tous les sens. Y a-t-il un interrupteur que je ne puisse point voir? C'était quoi ce bruit? Ah, c'est le bruit des choses, très bien. Du coup, techniquement, je peux aller où maintenant? Parce que c'est bien beau de me donner des salles. Faut que je puisse rentrer dans les salles. Je vérifie qu'il n'y a pas d'interrupteur qui traîne. Ah, en fait c'est ça l'interrupteur. D'accord, d'accord. Est-ce que si je mets un holo dessus, ça marche? Putain, je fais toutes les strates du monde. C'est ce qu'on appelle être idiot. Et évidemment, je dois tout refaire. Oh là là. Voilà, les gens, me revoilà. Et j'ai découvert un secret que je n'avais point vu. Et c'est là où les hommes pour sport avaient tendu un piège depuis un bordel. Et j'ai trouvé un nouveau fusil que j'ai utilisé, la seule munition que j'avais. Ah non, non, j'en ai quelques-uns. Et il me semble que c'est le miniaturiseur. Tout bonnement un fusil qui rend les gens plus petits. Donc j'en étais là, donc ah, se garder, pas envie de refaire tout. Et comment ça se passe alors ici présentement parlant? Eh bien je n'ai plus de batterie, alors on va faire une pause. Yo, revoilà les gens, je suis de retour. Alors l'immersion, où nous étions à cette porte qui ne veut point s'ouvrir. Ya. Et ça ne s'est pas ouvert. Ferme-toi. Ok, très bien, en fait, il fallait juste courir. Du game must die. On récupère cette blotion. Je ne me rappelle point, parce que ça fait un petit moment que j'ai fait la pause. Où est-ce que je dois mettre cette chose bleue? C'est le moment où Benoît oublie ce qu'il devait faire. Ah, voilà, c'est là. Prends The Mitrailleuse. Parce que y a des tas d'enculés là-dedans. Ils ont tué de partout. Voilà. On aura bien défoncé le gueule. Oh. D'où il sort lui? Voilà, du coup. Cette chose. Attends, voilà. Non. Cette chose. Hop. Putain, la mauvaise surprise quoi. Donner un coup dans le gueule. Ah, ça c'est mieux. Je préfère quand ça me donne des munitions. C'est gentil, dis-moi. Ah, mais ça. Ouh, mais il y a beaucoup trop de gens là. Vite, le soin. J'esquive. J'esquive. Ça a donné suite à. Une guérilla. Merde, 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 merde. Remonte, remonte, remonte. Est-ce que... Oh, de la munition électrique. Je me demande à quoi ça sert. Freeze Thrower. Ah, le lanceur de froid. Ça a l'air d'être une très bonne idée, ça. Bon, allons là-dedans. Là où il y avait moult méchantes personnes qui ont attenté à ma vie. T'es sûr? Ah bah, on arrive devant. Oh, mais ça rebondit sur les murs, c'est bien ça. On va se remettre à fond. De quel côté ça va être? J'ai peur. On va jouer du freezy freeze. Ouf. Oh, mais on peut tirer au taquet et tout. Bande de salauds. C'est pas très puissant quand même. Ah, mais ça les freeze carrément. Ah d'accord, en fait ouais, vraiment le freezer c'est freezer quoi, ça les gèle.
au possible. Oh putain, le salaud, il est encore vivant. Ah putain, je prends cher, je prends cher. Du coup, maintenant, il y a plein de saloperies. On casse tout, putain. Piece of cake. Et pas de... Là, je me tâte à remonter tout en haut pour aller chercher des soins, mais j'ai un peu la flemme. Du coup, on va sauvegarder. Ah bah, il y en avait là, des soins. Voilà. On reprend le popon. J'ai ça, j'ai ça. J'ai miniaturiseur aussi, j'en suis pas encore servi. Bah tiens, on va le prendre, justement. Ah, mais là, ouais, mais là, il y a le gros monstro, justement. Voilà. Ce sera pas chier, mémé. Là, comme je sais qu'il y a le gros bordel... Ouais, mais je l'ai plus, le gros bordel. Du coup, voilà. Friser cet enculé. Voilà, il est frisé. 8, 6. Voilà, il fait pas chier le pépé. Ah, mais il y a encore plein de merde. Non, voilà. En plein air. Damn, I'm good. J'adore tellement Duke Nukem, c'est rire, j'aime tout chez lui, c'est génial quoi. C'est tellement le meilleur personnage du monde quoi. I'm good. Non, c'est. Yeah, I'm good. Bon, le Kéké, là, il a moins fait le malin quand même. Il y avait plein de reboulements dans cet épisode, plein de retours de situation, de choses pas cool, de sursauts. Sursaut, c'était vraiment l'épisode du sursaut. Et là, ah bah oui, au moins, on va directement sortir, mais c'est parfait ça. On dégage. Ah. Je n'ai laissé aucun ennemi. Ah, j'ai raté un secret par contre, mais j'en ai découvert deux, alors je suis pardonné. La pardon du pardon, je suis pardonné, Evrudé. Benito Blanco a défoncé ses aliens, putain. Ah là là, Duke Nukem. Il est trop bien ce jeu. Du coup, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas compris pourquoi je parlais de fanart dans la vidéo, je vous invite à aller voir le fanart de Crusoe que j'ai fait dernièrement. Je l'ai fait il y a 3 jours, même pas. Je suis content parce qu'on m'a répondu sur le Twitter. Ma machine à laver vient de se terminer. Oh. Du coup, je vous invite à me laisser un petit pouce pour faire plaisir. Le vert, c'est toujours mieux. Un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît. Personnellement, moi, j'adore Duke Nukem, j'adore faire des vidéos dessus. Et c'est le plaisir absolu et complet. Du coup, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. À la bye-bye, à la prochaine. Yellow Submarine. Voilà, j'espère que tous ceux qui dessinent pendant qu'ils nous ont écoutés ont apprécié l'épisode, parce que je sais qu'ils sont nombreux. On vous fait de gros bisous. Donc, est-ce qu'on peut avoir un artwork?